Ah, Et Tecini. deux, parce que Dufresne ou moi, E due perché Dufresne oppure io? les gens savent que, bon, on n'est pas des méchants, quoi. Le persone sapevano che non eravamo gente cattiva. Et là, on touche à quelque chose de très important avec les réseaux sociaux, c'est que sur les réseaux sociaux, c'est de l'humain. Quindi questo fa capire che i social network hanno a che vedere con Eh l'umano. oui, on peut, si on a répondu, il y a c'est des milliers de tweets, on a répondu à tous les tweets, Cioè abbiamo risposto a tutti i même tweet, juste un anche petit mot, merci. una piccola parolina, C'est, grazie. voilà, c'est vraiment pendant quelques jours, c'est du 24 heures sur 24, Per quoi. qualche giorno è stato 24 ore su 24. Et souvent, on pose la question, est-ce que vous embauchez des community managers? E spesso ci si chiede, vi occupate anche delle comunità manageriali? Moi, je pense que sur le documentaire, c'est difficile. Io penso che sul documentario sia difficile. Parce que la seule personne capable de répondre, bah, c'est soit le réalisateur, soit le Perché producteur. l'unica persona capace di rispondere è o il regista o il produttore. Sinon, c'est vraiment trop marketing, quoi. Altrimenti diventa Ouais. troppo marketing, Donc, una voilà, c'est questione di compliqué. marketing. C'est une des grosses différences avec le documentaire normal. Questa è una grande differenza con un documentario normale. C'est que le travail ne s'arrête pas quand le film est terminé. Il E commence, che un autre il commence. lavoro non si conclude con la fine del film, ma un altro lavoro comincia subito Et dopo. encore aujourd'hui, 3 ans, presque 4 ans après le lancement du E programme, ancora oggi, cioè 4 anni dopo il lancio del programma, hier, il y a eu 2 messages postés dans les forums. ieri ho avuto due messaggi postati sul forum. Et là, David, il va, il répond. E là devi andare a Bon, il est un peu fou rispondere. aussi, hein, il est dingo. Mais c'est ce qu'il fait. Il fait ce métier-là parce que c'est ce qu'il a envie, lui. Ma si fa questo lavoro perché c'è bisogno di quello, si Lui, ha c'est. voglia di. Voilà. Lasciando da parte la questione marketing, io invece parlerei proprio della comunicazione. Penso che la comunicazione sia fondamentale in questo tipo di progetti, perché sul web sostanzialmente si avrà sempre un'interazione con chi viene a trovarti sul sito. Perché io penso che il momento più importante, diciamo topico, è stato quando voi avete avuto quella specie di interazione con il personaggio istituzionale che era il ministro, giusto? Lì era interessante capire come avete gestito voi che avete avuto questo progetto con un avvenimento così importante. Lasciamo stare il marketing, però penso che comunque per il successo anche del progetto stesso sul web la comunicazione è fondamentale. Oui. A parte il marketing. Oui, mais communication, marketing, tout ça, c'est la même famille. È tutta Più o una meno, sì. Tu vois, famiglia, marketing e comunicazione. ce qu'on a fait en place avec Facebook, Quello che si è fatto con Facebook. après, il y a plein de marques qui l'ont refait. Poi ci sono Sì. tanti marchi che lo rifanno. C'est du marketing. È marketing questo. Mais c'est du marketing qui rajoute du sens au programme, tu vois, c'est du marketing très intelligent. È del marketing intelligente che aggiunge senso al Et programma. C'est vrai que quand tu as des sujets documentaires, tu peux te permettre de faire des choses. E quando si hanno degli argomenti di documentari, ti puoi permettere di fare Parce delle que le public, il cose? le comprend. Il sait bien Perché que. il pubblico lo capirà. Il sait bien que tu ne vas pas lui demander de l'argent. E lo sa che non gli andrai a chiedere dei Là, soldi. je n'ai pas dit une boisson achetée, une boisson offerte. Io non ho scritto lì una bibita acquistata, una bibita offerta. J'ai dit juste, si vous voulez, il y a un documentaire sur l'industrie de la Ho prison. detto Bon, c'è un voilà. documentario sull'industria Mais oui, carceraria. donc nous on mélange effectivement marketing, communication, Quindi partenariat, si va a mescolare presse. marketing, partenariato, Tiens, comunicazione, stampa. par exemple, voilà, tu vois, PAC Media. Ad esempio, PAC Media. Donc ça, c'est le PAC Media de Prison Valley. E il PAC Media di Prison Valley. À chaque fois qu'on reçoit un mail Ogni volta che si riceve un'email. d'un internaute qui dit Ah, j'aimerais écrire un billet de blog. Di una persona che ci dice vorrei scrivere un blog. Ou un grand journaliste O un grande giornalista. du journal Le Monde qui dit Je veux faire 4 pages. Del giornale Le Monde, ad esempio, che ci dice vorrei scrivere 4 pagine a riguardo. Les deux reçoivent la même chose.
tutti e due riceveranno la stessa cosa. C'est-à-dire qu'on a la même relation avec l'internaute cioè que avec le très grand journaliste. La stessa relazione sia con l'internauta che con il grande giornalista. Et donc ils ont un dossier de presse. Quindi c'è un dossier di stampa, un dossier di stampa. Ils ont 10 photos en haute définition. 10 foto ad alta definizione. Des logos, des posters. Dei loghi, dei poster. Des screenshots du site. Degli screenshot del sito. En fait, tu comme ça tu contrôles ta communication. Così riesci a controllare la communication. Et tu donnes à partir du moment où toi tu donnes des éléments graphiques haut de gamme. Appena tu dai degli elementi grafici di alta gamma, di alta qualità. Ça veut dire que tu es sûr qu'il y aura toujours des bonnes images, des bons textes pour présenter tes programmes. Ci saranno sempre delle buone immagini, dei testi buoni. Oui. Una cosa su l'accesso, quando tu accedi al Prison Valley tramite Facebook. Quand tu as accès à Prison Valley à travers Facebook. Tramite il tuo, diciamo, il tuo, tramite Facebook Connect. Sì. E volevo sapere se funziona come quelle applicazioni che poi, diciamo, hanno accesso ai tuoi contenuti, alle tue foto. Che... E c'è pas facile a integrare. Non è facile da integrare. E come in plus, perché in fait c'è una API. API en anglais. Et un... Facebook. Si. Et donc en fait c'est Facebook qui te donne, Facebook, in realtà, qui te donne des instructions, Istruzioni pour brancher ce genre de truc. Per collegare questo genere di cose. Mais tous les deux mois elle change. Ma ogni due mesi cambia. Et, si. Et donc ça veut dire que 4 ans après. Quindi quattro anni dopo t'es toujours en train de mettre à jour. Tu dovrai sempre mettere aggiornare. C'est un truc de dingo. Quindi je vais vous montrer un document. Vi faccio vedere un documento. C'est, on a appelé ça la timeline. Alors, lo abbiamo chiamato timeline. Donc là j'ai qu'une image numérique. Ho un'immagine digitale. Mais je vais la mettre en taille réelle. Voilà. La vado a mettere in dimensioni reali. Mais je l'ai aussi imprimée en vrai. Ma l'ho anche stampata davvero. Donc ça fait 6 mètres de long. Quindi à peu près. 6 metri di lunghezza. Et c'est finalement c'est le script. Ed è lo script. C'est le script interactif de Prison Valley. Interattivo di Prison Valley. Et voilà, donc là c'est. Alors en plus, c'est la... celle-ci c'est la timeline avec. Questa è anche la timeline avec les actions. Le azioni. Twitter, Facebook. Quoi. Twitter et Facebook. En gros, ça veut dire que nous, dans les bureaux, on avait affiché ça. Significa che noi nell'ufficio avevamo mostrato questo poster enorme. Et donc ça a évolué au fur et à mesure de la production. E si è evoluto man mano che lo producevamo. Mais là, on dit voilà, en orange. Poi abbiamo detto in arancione. C'est les scènes du film. Mettiamo le scene del film. En bleu, c'est ce qui va se passer dans la chambre. In blu, quello che avverrà nella camera. Non, c'est pardon, c'est les grandes interactivités. No, voilà, le questionnaire. Saranno le grandi interattività, quindi voilà, questionnari. Les... Voilà. Et après, plus on descend, plus on rentre poi, dans le détail. Più si scende, più si entra nel dettaglio. Et ça veut dire que c'est quelque chose d'extrêmement utile. Quindi è una cosa estremamente utile. Pour toutes les personnes qui travaillent sur le projet. Per tutte le persone che lavorano sul progetto. Par exemple, si tu as besoin d'un flasher ou d'un codeur dans les trois dernières semaines. Avete bisogno di un flasher, di un codice. Ou un programmeur. O di un programmatore. Qui vient pour les deux derniers mois de production, par exemple. Che viene per i due mesi di produzione, gli ultimi due mesi di produzione. Eh ben, il comprend le programme. Si on lui dit, toi, tu. Se gli diciamo. On lui dit, par exemple, toi, tu vas t'occuper. Tu ti occuperai. De tous les portfolios. Di tutti i portfolio. Ah, il sait qu'il y en a un ici. Voi sapete che ne abbiamo uno qui. Après, il sait qu'il y en a. Poi saprà che ne ha uno qui. Oui, là, je vais trop loin. Là, il y en a un ici. Ce n'è uno qui. Et là, il y en a un ici. Enfin, voilà. En tout cas, c'est.
c'est voilà, là ici on ouvre le cinéma, là ici on va proposer à ce moment-là, on va proposer gratuitement la bande son du programme. Si propone gratuitement. Là on parle de Brenda. La colonne sonore. En gros, c'est un script graphique qui permet de présenter des projets interactifs. Un script grafico che permette di presentare. Parce que c'est aussi ça, c'est à chaque fois, tu es obligé un peu d'inventer tes propres outils de production. Perché ogni volta si è obbligati ad inventare i propri strumenti di produzione. Alors, j'avais dit que je vous montrais les comptes de Prison Valley. Les comptes. Les comptes, l'argent. Vi faccio vedere i conti adesso di Prison Valley. Vous téléchargez, vous piratez beaucoup. Il y a beaucoup de piratage en Italie ou pas? C'è molta scaricare illegalmente in Italia. Sì. Bravo. Pirateria. En France aussi. En France anche. Et je trouve ça intéressant justement dans le web documentaire, c'est qu'il n'y a plus de notion d'exclusivité, il n'y a plus de notion de propriété. Non, il n'y a plus besoin de pirater. In questo caso il fatto positivo è che non c'è più bisogno di fare della pirateria informatica perché non c'è più nozione di illegalità. La page Pirate Bay de Prison Valley, c'est David Dufresne et moi qui l'avons faite. La pagina di pirateria siamo noi che l'abbiamo fatta, io e David. Parce qu'en fait on utilise vraiment comme un réseau de distribution. Bon, ça c'est parce que c'est financé par de l'argent public aussi. Perché è finanziato anche da denaro pubblico. Mais voilà, c'était un clin d'œil. Un clin d'œil à ceux qui disent que il faut une répression policière pour lutter contre le piratage. À quelli che dicono che c'è bisogno di una repressione della polizia contro la pirateria. Ce qui me semble moi complètement incohérent. A me sembra molto incoerente in realtà. Je vois pas en quoi la police peut résoudre des problèmes de droit d'auteur. Quoi. Non so come la polizia possa risolvere dei problemi di diritti di autore. Ah, ou comment la surveillance policière come des ordinateurs. La sorveglianza della polizia sui computer. Je vois pas le rapport en fait. Non, cioè, non vedo proprio. Mais il, maintenant quand un on link, quand un on rapporto. Voit maintenant quand on voit arriver Prism ou quand on voit arriver Prism en Italie, c'est comment? Quando si vede arrivare Prism? La NSA, tous les scandales de surveillance. Tutti gli scandali della sorveglianza. NSA. Ouais. NSA. On comprend mieux pourquoi ils voulaient surveiller les connexions des gens. Si capisce meglio perché volessero sorvegliare le connessioni delle persone. Voilà, c'est pas pour les droits d'auteur, c'est non pour non è juste. Certamente per i diritti di autore. Voilà, je fais jamais une conférence sans dire toujours un peu. Quindi, c'est des trucs qui me tiennent à cœur. Non faccio mai una conferenza senza droit... dire questa cosa e ce l'ho e la devo dire. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Avete il diritto di non essere d'accordo. Alors, là, c'est le document, justement, comme c'est un programme qui est produit avec de l'argent public. Siccome è un programma che è stato prodotto con denaro pubblico. Quand on a terminé le programme, on doit rendre les comptes. Si voilà. Devono rendere i conti. C'est exactement, c'est vraiment une logique de transparence. Per la trasparenza. Ouais. Donc, au début, on rappelle c'est quoi le programme. All'inizio si ricorda qual è il programma. Donc c'est à peu près ce que je vous ai montré. Quindi quello che vi ho mostrato. Voilà, au 30 voilà les chiffres, je les cherchais. Au 30 décembre 2010, donc il 30 dicembre 2010. 7 mois après le lancement. 7 mesi dopo il lancio. On avait avevamo 220 000 visites sur le site. 220 000 visite sul sito. Alors ça c'est une mesure d'audience un peu 600 000 vidéos visionnées. 600 000 video visionati. Ça c'est compliqué. C'est le nombre de fichiers vidéo qui ont été visionnés sur. Et il numero di file video visionati. Bon c'est pas très précis là. Quindi non è molto precisa come cifra. 44 000 personnes qui ont créé un profil. 44 000 persone che hanno creato un profilo. À l'époque, il n'y avait que 530 messages dans les forums. All'epoca c'erano solo 530 messaggi sul forum. Le film, lui,
Il film avait fait 285 000 spectateurs en France et 209 000 en Allemagne. Aveva fatto, sì, combien? 285 000 en France. 280 000 in Francia, spettatori. E 200 000 en Allemagne. E 200 000 in Germania. Donc, pour la première fois. Quindi per la prima volta. Sur la même période. Nello stesso periodo di tempo. Le web fait à peu près jeu égal avec la télévision. Il web ha fatto più o meno lo stesso risultato della televisione. C'est le premier programme qui. Il primo programma che. On vient dans les mêmes chiffres que la télévision. Che ha avuto le stesse cifre, gli stessi numeri della televisione. Alors aussi parce que c'est Arte et que Arte. Non, mais l'Italie est pas très loin. Ma non è molto lontana l'Italia da questo. A cette époque-là, ça doit être 6 ou 7 000. Doveva essere 6 o 7 000 all'epoca. Mais il n'y a pas de traduction. Eh oui, il n'y a pas de traduction. C'est déjà énorme. È già tanto. Mais donc, attention, sur les chiffres que je donne, Arte est une chaîne qui ne fait pas beaucoup d'audience en télé. Arte è un canale che non fa molto audience in televisione. Voilà, ce serait différent avec TF1 ou... Ouais, avec les chaînes commerciales. Sarebbe molto diverso con i canali commerciali. Alors ensuite, on dit qu'on a eu beaucoup de presse. Poi c'è stata molta stampa. Et dans Google. In Google. 92 000 occurrences. 92 000 occurrenze. Donc ça, c'est beaucoup. C'est. Et les récompenses, blabla. Et les comptes. Alors. I conti. Wow. Donc là, attention, c'est compliqué. Les comptes, on les remet sur le même modèle que pour le cinéma ou I la télévision. Conti si mettono sullo stesso modello del cinema e della televisione. Donc, c'est légal. Quoi. Quindi è legale. On peut pas présenter les comptes comme on veut. Il faut les présenter. Non si possono presentare i conti come si vuole. Bisogna presentarli in un certo modo. Donc, le premier poste, c'est les droits artistiques. Il primo posto era i diritti artistici. Ok. Donc, chacun des deux auteurs... Ognuno dei due autori... ...touche 20 000 euros... ...ha preso 20 000 euros... ...en droits d'auteur. ...in diritti d'autore. Ils vont, vous verrez ensuite, ils vont retoucher de l'argent en tant que réalisateurs. E vedrete che riprenderanno anche soldi come registi. Ok. Mais, c'est beaucoup... Ma è molto questo. C'est, même en documentaire, c'est beaucoup. Anche c'est, come documentario è molto. Surtout quand on a deux. Soprattutto quando parce si que, ha due. Voilà, qui sont deux vrais réalisateurs forts. Due hein. Veri registi forti. Donc, là, il y a déjà 40. Il y a déjà. Voilà, il y a. Une fois qu'on a payé les droits d'auteur. Quindi, una volta pagati i diritti d'autore. Les droits d'auteur de la musique. Il diritto d'autore della musica. Qu'on a payé les archives. I diritti di archivio. La traduction. La traduzione. Et les voix off. Et les. Voice-over. Les voice-over. La voice-over. Voice-over anglaise uniquement, parce que la voice-over allemand, c'est Arte qui l'a fait. Et quindi solo in inglese, perché invece quella in tedesco è Arte che l'ha fatta. Et la voix française, c'est David Dufresne. Et la voce francese invece è proprio del regista. Voilà, en droit David. D'auteur, il y a déjà 52 000 et quelques euros. Quindi quoi. Ci sono 52 000 e passa euro. Seulement deux, trois. Ensuite, le plus gros poste. Il più grande elemento. À peu près 100 000 euros. Più o meno 100 000 euro. C'est tout ce qui concerne la réalisation. Tutto quello che riguarda la regia. Donc la là, vous voyez, les deux réalisateurs, ils reprennent un peu d'argent. Vedete che i registi prendono un po' di soldi. Pas oui. Beaucoup, 3 000 et quelques 3 000, chacun. Quindi riprendono. Donc en gros, ils ont eu 25 000 chacun à peu près. Quindi più o meno 25 000 ciascuno hanno avuto. Hein? Parce qu'on est obligé de faire la différence entre droit d'auteur et réalisation, c'est la loi. Perché secondo la legge bisogna fare una differenza tra diritti d'autore e diritti di regia. Mais il y a moins de charges sur les droits d'auteur. Ma ci sono meno tasse sui diritti d'auteur.
Donc on, évidemment, on préfère donner plus en droit d'auteur. Quindi si preferisce dare più sui diritti di autore. Là, on est limite de la loi là. Qui siamo proprio ai limiti di legge. Donc on a discuté avec le CNC, on l'a pas fait exprès, on leur a dit la vérité. E gli abbiamo detto alla CNC che non l'abbiamo fatto apposta. Là, on était limite, limite. Normalement, le pourcentage doit être plus équilibré entre Perché droit d'auteur et réalisation. La percentuale dovrebbe essere più equilibrata tra diritti di autore e diritti di regia. Alors, aujourd'hui, je fais plus comme ça. Aujourd'hui, je raisonne en jours. Oggi io ragiono in giornate. Mais là, là, ici, dans Prison Valley, on avait raisonné en mois. Ma in Prison Valley, noi avevamo ragionato in mesi. Et donc, on avait, ouais, on avait dit 5 mois de graphisme. Quindi 5 mesi di grafica. Donc, quand on dit mois, ça veut dire que vraiment on additionne les jours. C'est pas forcément 5 mois d'affilée. Ça peut être 5 mois sur 18, tu vois. C'est, può essere 5. Cioè c'est 20 semaines. 20 settimane, cioè non sono necessariamente tutti di seguito. Environ 4 semaines juste en conception. 4 settimane più o meno di concetto di progettazione. En flash on a presque 8 mois. Quindi 8 mesi in flash. Donc on a 2 flasheurs à plein temps. Quindi abbiamo 2 realizzatori di flash, come li chiamate? Donc, voilà. Pendant 4 mois, plus des freelances. Poi c'erano dei freelance. HTML, base de données. HTML, database. Voilà, là on a à peu près en tout 7 mois de programmation. Di programmazione, HTML, base de données, etc. HTML, donc c'est ça qui coûte très database. Cher. C'est ça qui coûte très très cher. E questo che costa molto caro. Voilà. On repaye la voix off anglais et allemand, mais cette fois-ci, c'est plus des droits d'auteur, poi, c'est de la prestation. Voice over d'inglese e di tedesco. Voilà. Et ça, les producteurs, produttore, on le met dans le budget. Lo mettiamo nel budget. Mais ça, moi, en gros, producteur, c'est moi, ça, c'est ma ligne. Hein. Questo sono io. 12 600 euros. 12 600 euros. C'est pas vrai. Je non me fais pas vero. Un chèque à moi-même de 12 non 600 euros. Non mi sono fatto un assegno di 12 600 hein? euros. C'est juste, c'est ce qui va permettre. E questo deve permettere. De justifier un apport en industrie. Giustificare un apporto industriale. À la fin, dans les comptes, on va dire Rupian a amené tant d'argent. Per dire che alla fine dei conti. Parce questa que persona ha messo tanti soldi. L'usage veut que le post-production Perché il peut être considéré comme un apport en industrie. Può essere considerato come un contributo all'industria. Hein? Et ça, ça joue dans les plans de financement aussi. E questo poi va a giocare nei piani finanziari. Parce que là, je donne le résultat des comptes. Perché lì poi io vado a dare il risultato di tutti i conti. Mais c'est pas le devis. Ma non è il preventivo. Ça, c'est à la fin, le résultat. Questo è la fine, cioè il risultato, i conti reali. Community manager, c'est pareil. C'est-à-dire que j'ai considéré que le mois que j'ai passé, moi. Ho considerato che il mese che io ho trascorso. En vrai, c'est plus qu'un mois, mais più di un mese. Mais peu importe. Voilà, j'ai dit, voilà, c'est un apport en industrie. Però io ho detto che è un contributo all'industria. Mais voilà, donc il y a plein de lignes où on joue avec Quindi, les lignes. Hein. Ci sono una serie di righe su cui si gioca un po', ci si deve giostrare. Alors ensuite, il y a beaucoup de montage. Poi c'è molto montaggio. Parce que c'est un vrai film. Perché è un film vero e proprio. Et parce qu'il y a plein de morceaux de vidéo aussi qui sont éclatés partout. Tanti pezzi di video. Exactement. Et ça aussi c'est du temps de montage quoi. E questo serve, per questo serve molto montaggio. Et en plus il y a un vrai gros boulot de montage, de split screen. E poi un grande lavoro di montaggio, di split screen. Et puis que travailler avec David Dufresne au montage. E lavorare poi con David Dufresne al montaggio è duro. Voilà, on avait prévu, on a dépensé beaucoup plus au montage que ce qui était prévu. Mais ça Abbiamo c'est normal. Abbiamo speso molto di più al montaggio rispetto a quello che avevamo previsto, ma voilà. È normale. Sì. Ça c'était juste pour l'application mobile. Questo era per l'applicazione del telefonino. Ça c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Parce que ça c'est une facture. Hein. Questa è? Et c'est l'argent jeté par les fenêtres. Ah, c'est... questo è soldi buttati dalla finestra. Voilà. Mais bon. Ensuite. Ça c'est la manière dont on fait les devis en audiovisuel en France. Poi questo è la maniera di fare dei preventivi audiovisivi in Francia. On sépare les charges sociales. Cioè non on cherche pas les charges. Non, on sépare. Ah, si separano i costi sociali.
Les taxes et tout ça. On les fait apparaître. Cioè, le, si fa dans, une, dans un paragraphe à part. In un paragrafo a donc parte, en gros, separato. Ça, cette somme-là, 56 000. Quindi, questa somma qui, 56 000. Ça, c'est le règlement à l'URSSAF, charge sociale, l'emploi, la sécurité sociale. A, di tasse, previdenza sociale, c'est beaucoup. Cose qui, ed è molto. C'est beaucoup. C'est, mais c'est logique. Però è logico. Le Centre national de la cinématographie. Il Centro Nazionale della Cinematografia. Ils nous ont donné 100 000 euros. Ci ha dato 100 000 euro. La condition. E la condizione però era. C'est que cet argent soit redistribué. Che questo denaro fosse ridistribuito. Dans le circuit économique. Nel circuito economico. Donc quand ils voient que on a payé 56 000 euros de charges sociales. Quando vedono che abbiamo pagato 56 000 euros. Là, ils sont contents parce que. Oneri sociali, fiscali. Ça veut dire que l'argent il est réinjecté vraiment dans l'économie. Sono contenti perché significa che il denaro è rimesso in circolo nell'economia. Tout ce qui est transport, voyage aux États-Unis. Tutti gli, i trasporti, viaggi negli Stati Uniti. Ça, on avait fait vraiment très attention et c'est pas ce qui abbiamo coûte le plus cher. Abbiamo fatto molta attenzione e non è stato molto caro. No. Bon. Non, pas cher. Il y a deux voyages. Ci sono stati due viaggi. Non, pas cher. Pareil, matériel, tout ça. Stessa cosa, materiale. En tout cas, proportionnellement. Proporzionalmente. C'est les auteurs. Gli autori. Et tout ce qui est design, développement, tout ce qui est internet. Tutto quello che è design, sviluppo, internet. Voilà. Et donc, on arrive à un total pour Prison Valley de 300 000 euros. Ad un totale di 300 000 euros per Prison Valley. Juste pour le web. Hein. Là, c'est solo le compte rendu. Per il web. Ça, c'est le compte rendu pour le web. Questo è reso conto per il web. Et donc, là, c'est pas normal, c'est pas bien. Questo non va bene, invece, non è normale. Parce que moi, j'avais eu 75 000 euros d'Arte. Io avevo avuto 75 000 euros da Arte. Et 90 000 du CNC, pas 100 000, 90 000. 90 000 dal CNC, non 100 000. Donc là, il y a un problème. C'est-à-dire que vraiment, le programme me coûte beaucoup trop cher. C'è un problema. Cioè, il programma veramente ci costa molto caro. Voilà. Là, ça va pas. Il y a un déséquilibre. E non va. Cioè, c'è proprio uno squilibrio. Donc après, pour couvrir ce... Quindi, ce... per coprire dopo. Il y a le film télé. C'è il film, c'è stato il film in televisione. Et notamment ensuite que le film il est dans les catalogues, il intègre des circuits de distribution, etc. Quindi nei cataloghi è integrato nei circuiti di distribuzione, etc. etc. Mais bon, ça comble jamais quoi. On a perdu beaucoup d'argent avec Prison Valley. Non ha mai colmato perché si è perso un sacco di denaro. Maintenant, ça c'est la vérité. Questa è la verità. Moi, ça veut pas dire que j'ai dépensé 130 000 en cash. Io non vi dirò ovviamente che sono andato a spendere 130 000 in contanti. C'est beaucoup, vous avez vu, c'est beaucoup en industrie, c'est beaucoup des trucs que je, voilà. La chose qui est et ça moi je l'avais pas fait exprès. Io questo non l'avevo neanche fatto apposta. Et se trouve que entre le moment où je remets ces comptes au CNC. Tra il momento in cui ho dato questi conti al CNC. La loi de financement change. La legge di finanziamento è cambiata. Et le Centre national de la cinématographie, le CNC, met en place un système de fonds. E loro hanno messo in atto un sistema de plan de soutien automatique. Di piani di sostegno, di finanziamenti automatici. Donc ça aussi c'est une particularité française. Quindi questa è una particolarità francese. Plus tu produis, più produci, plus tu peux avoir accès à de l'argent automatiquement. Più puoi avere accesso a denaro automaticamente. Et le calcul. E quindi il calcolo de la somme d'argent que tu vas pouvoir utiliser. Della somma di denaro che tu potrai utilizzare. C'est un ratio. È una percentuale, una ratio, un rapporto. Du coût à la minute du programme. Del costo al minuto del programma. Moi j'ai dit la vérité, c'est-à-dire que m'a coûté très cher. Io ho detto la verità, cioè che mi è costato molto caro. Mais
il m'a ramené aussi finalement beaucoup d'argent. Ma mi ha riportato alla fine dans molto mon soutien automatique. Denaro nel mio sostegno automatico. Et le soutien automatique, c'est pas de l'argent que tu prends et que tu mets sur toi. E questo finanziamento automatico non è del denaro che prendi e ti metti. C'est de l'argent qu'on te donne pour un autre programme. Ma è dei finanziamenti che ti danno per un altro programma. Donc c'est merveilleux. Surtout pour les très gros. Sì, è meraviglioso soprattutto per le. Pour les très grosses boîtes per de production. Le grandi società, le grandi case. Parce qu'il y en a qui arrivent à avoir des centaines de milliers d'euros. Perché ce ne sono alcuni voire che des riescono millions. Ad avere centinaia di migliaia di euro, anche dei milioni. Mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, si j'ai réussi à faire Alma après, se sono riuscito a fare Alma dopo, c'est grâce à ça. È proprio grazie a questo. Donc oui, c'est tu vois, c'est vertueux, quoi. Quindi ah, è un circolo vizioso, sì. Anzi, virtuoso. Voilà. Tu perds de l'argent d'un côté, mais de l'autre, on... dei soldi da un lato, ma dall'altro. On t'en donne pour refaire quelque te chose. Te ne danno per fare altre cose. Ouais. Ah oui, à moins que vous ayez des questions sur le budget. Avete delle domande sul budget? Il nome della società di produzione. On fait une pause? Facciamo una pausa.